trois sports extrêmes les plus dangereux au monde. Le numéro 1 est hyper dangereux. Numéro 3, le base jump, l'un des sports les plus fous du monde. Comme l'indique son nom, il consiste à sauter dans le vide depuis des objets fixes tels que les falaises, les buildings et bien plus encore. Le sauteur dispose seulement d'un parachute comme dispositif de sécurité. Ici, chaque saut est une confrontation avec la gravité, une danse avec le vent et un défi constant pour repousser les limites. Numéro 2, l'alpinisme. Ce sport consiste à escalader des montagnes, généralement des sommets de haute altitude. Les alpinistes affrontent au quotidien des températures glaciales, des avalanches dévastatrices et des crevasses mortelles, chaque pas pouvant être leur dernier. Avant de te donner le numéro 1, pense à t'abonner et à aimer la vidéo. Numéro 1, la highline. Considérée comme un sport extrêmement dangereux, la highline consiste tout simplement à marcher sur un fil suspendu à des dizaines, voire des centaines de mètres au-dessus du sol. Bien que ce sport se pratique habituellement avec un dispositif de sécurité visant à remédier à toute chute, il s'expérimente en solo total, genre sans aucune mesure sécuritaire. Intéressant, n'est-ce pas? Et toi, pourras-tu avoir le courage de pratiquer ce genre de sport? Dis-le-moi dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner.